Salut les gens, c'est DreamVoyager, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc tout d'abord on va créer une nouvelle composition, enfin un nouveau projet, donc si vous l'avez pas déjà créé. Donc moi je vais importer vite fait mes vidéos. Donc c'est un tutoriel pour voler comme Superman. Enfin voler, c'est plutôt décoller et atterrir parce que voler, je trouve que dans la preview ça donnait pas trop bien. Alors voler sera peut-être pour un peu plus tard. Quand je ferai un autre tutoriel. Donc on va dans nom de ces Superman. Je crois que c'est le dernier, le meilleur, ainsi que celui-là qu'il me faut. Donc là début on va faire le décollage. Donc on prend notre composition, on fait une nouvelle composition qui se met à la taille de la composition. Oui c'est celle-là. Donc voilà, on peut commencer à partir d'ici. Alors édition, ça donne le calque, on coupe le calque, on supprime la première partie qui est inutile, on remet au début de la composition, voilà. Et ensuite on va arriver au moment où je saute le plus en l'air. Hop, là on a dépassé, donc là je fais contrôle avec les flèches directionnelles pour faire avant-arrière. Donc attendez, j'ai réfléchi. Voilà, là c'est parfait. Donc hop, à partir d'ici je fais édition, ça n'est le calque. Et ensuite je fais instant sur la deuxième partie et je fais geler l'image. Comme ça après tout au long de la vidéo j'ai la même image de moi. Donc geler l'image, voilà. On va, enfin moi je zoome un peu. On va prendre l'outil plume. Donc hop, pour prendre l'outil plume et on va faire le détour de la personne. Alors moi je vais sûrement faire un accéléré parce que ça risque d'être un petit peu long sinon, et on se retrouve juste après. Et donc voilà, là je viens de finir de détourer le personnage, donc normalement vous avez ça, ou sinon si vous n'avez pas activé la petite option ici canal alpha, vous désactivez, ça fait noir. Donc moi je vous conseille de faire comme ça, moi personnellement je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Donc ensuite je vais vous montrer donc mon effet à moi que j'applique. Donc là hop, vous pouvez voir ici que en avançant, donc là je fais contrôle flèche directionnelle, en avançant hop, et là s'enlève le fond vu qu'il n'y a rien dessous. Donc là ensuite je vais prendre mon autre vidéo. Cette vidéo, alors je crois, ah non c'est pas celle-là, et tant pour moi. Il faut que je repioche dedans. Je crois c'est celle-là, c'est la 21. J'aurais dû les renommer mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est la 21. Hop. Je sais plus quel passage était le meilleur. Voilà, c'était celui-là. Voilà, donc on va faire édition, scindel calque. Et je peux supprimer l'autre partie. Voilà, là ça donne assez bien. Même si je pense qu'il faudrait peut-être le mettre un petit peu avant. Un tout petit peu encore avant. Ah voilà. Là ça allait peut-être un peu trop. Bon voilà, vous calez un peu comme vous voulez. Moi je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Voilà, on va faire sortir la personne du cadre. Donc ensuite, on va aller dans la première vidéo ici. Donc pour le masque, oui c'est ça hein. Oui, donc dans le masque vous allez ouvrir, vous allez faire contour progressif, vous changez. Moi je mets entre 3 et 4 personnellement, mais 4 je trouve que c'est assez bien. Là je vois pas très bien ce que ça donne. Ouais mais si c'est 4 c'est assez correct. Voilà, suffisamment. Donc là vous voyez que ça donne assez bien. Voilà, hop. Et donc à ce moment là ici à peu près hein, sur la vidéo, ah oui, donc vous cliquez sur la vidéo, vous faites P pour position, vous cliquez sur le petit chronomètre et un petit temps juste après, voilà, vous faites, hop je recule un peu, vous le faites partir vers là à peu près. Donc pour voir ce que ça donne, enfin une petite preview rapide. Alors attendez, hop j'ajuste. Donc ça nous donne, voilà, ça nous donne, ok d'accord, donc là on voit bien qu'il attend en l'air au bout d'un moment.
Donc ça ne va pas trop, on va plutôt raccourcir cette vidéo là et amener. On va voir ce que ça donne maintenant. Attention. Voilà, donc là ça donne à peu près l'effet que j'ai donné. Peut-être un petit peu avant. Faut voir. Après, vous calez vraiment. Ah voilà, là ça donne vraiment un effet de Superman. Donc voilà, ensuite j'avais mis aussi une musique. Donc hop, sound, musique. Épique, massive. Non, c'est pas trop top. J'aime pas trop. Ah, j'aime bien celle-là, Death Trap. Death Trap. Ok, donc on peut mettre celle-là. Et ensuite, hop, signal audio. Alors moi, je vous conseille, c'est dès qu'il commence à sauter, vous mettez la musique qui part. Hop, oh, je suis Kakatsu. Si je commence à partir de là, est-ce que ça le fera ou pas? On va tester. D'accord, c'est à partir d'ici qu'il faudrait que ça commence. Ensuite, on va poser une petite clé. On va la mettre juste là. Et au début de la composition, on va poser une autre, mais celle-ci en baissant le son. Donc, on va regarder ce que ça nous donne finalement. Voilà, donc là, la caméra qui redescend, c'est pas normal. Donc, moi, j'ai coupé exprès. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Laissez un like, un j'aime, un commentaire, enfin comme vous voulez. Abonnez-vous si vous avez aimé. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez bye.